Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Gundam? Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, et donc j'ai trouvé justement le moment opportun pour vous présenter cette petite perle, ni plus ni moins que le RX-7702 Gun Cannon, notre fameux Gun Cannon. Dans sa version collector, Cuckoo's Dance Island. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte avec, comme toujours, donc un magnifique artwork. Regardez-moi cette beauté. Donc, dans cette version collector, nous retrouvons donc notre gun canon avec ses canons traditionnels et les lance-roquettes juste ici. Voilà, vous avez les deux backpacks, puisque cette version donc fait hommage au film et non à la série animée. Les couleurs, vous le verrez tout à l'heure, les couleurs sont absolument magnifiques. Vraiment, voilà, que de bonnes choses à dire sur ce petit kit vraiment fort sympa au prix de 30 balles. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, le kit de base, la version basique qui était sortie déjà il y a un petit moment, vous pouvez l'avoir en général à une vingtaine d'euros, 19-20. C'est pour ça, pour 10 euros de plus. Je vous conseille vraiment de vous faire plaisir avec cette version collector. Donc sur la tranche inférieure, nous retrouvons donc notre fameux gun cannon vu de face, de dos. Quelques petites positions que vous pouvez lui donner pour reprendre justement voilà, quelques actions vues dans le film. Les lance-roquettes, les canons, juste ici. Voilà. Et sur la tranche supérieure, rien de spécial. Quelques petits avertissements et juste ici, donc voilà une petite photo de l'affiche du film, enfin d'une des photos du film. Voilà donc pour la boîte. À l'intérieur de ce coffret, en plus des grappes, nous y retrouvons bien évidemment donc la petite notice. Voilà, de toute beauté, à savoir que cette version donc est sortie en 2023, hein, cette version plus améliorée et modifiée. Alors comme vous allez le voir, hein, la notice est vraiment ultra simple. Tout est clair, cohérent, explicite. N'importe qui peut s'y mettre dedans. On a un Gundam basique, hein, c'est un AG de base. Alors même s'il y a de meilleures articulations, même s'il y a plus de flingues, de guns, de machin, à la base, donc ça reste quand même un gun canon standard. Donc voilà, en termes de montage, c'est vraiment très plaisant, c'est simple, intuitif, il n'y a pas de prise de tête, on s'amuse tout simplement. En plus, les grappes sont vraiment bien faites au niveau de la coupe, donc vous ne laisserez quasiment pas, voire pas du tout, de marque de stress ou autre. Voilà, c'est à souligner aussi. Donc voilà pour cette petite notice. Alors on n'a pas énormément de grappes, hein. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, plus la grappe de Polycap. Voilà, donc ça fait 8 grappes, donc c'est pas énorme, donc ça va assez vite. À savoir, par contre, que parmi ces grappes, nous avons, voilà, nous avons donc quelques pièces qui restent, voilà, des pièces donc faisant partie certainement, ces pièces-là faisant partie certainement du modèle de base, du gun canon de base. Là encore, on a quelques petites pièces en sus. Et puis donc quelques petites pièces, voilà, des polycaps, de polycaps supplémentaires. Voilà. Toujours bon à garder si jamais vous en cassez ou vous en perdez. Voilà, c'est toujours cool de pouvoir donc du coup les remplacer. Et au lieu de se dire, ah si j'avais su, je les aurais pas achetés, je les aurais gardés. Enfin bref, voilà, ça c'est une autre histoire. Voilà donc pour le contenu de la boîte. En termes donc d'accessoires, nous retrouvons donc le backpack de base, le backpack standard, donc sur lequel, voilà, j'ai mis quelques petites touches d'argenté, voilà, pour agrémenter un petit peu le tout. Un petit panel lining aussi, l'ajout de stickers, et voilà, c'est fait. Franchement, j'ai pas trouvé nécessaire de faire de peinture, mais on viendra dessus en voyant le robot. Voilà, j'ai juste ajouté donc les autocollants, voilà, qui lui étaient destinés.
petite modification donc argentée, un petit peu de panel lining, et voilà, on a un résultat plutôt très bien. Et vous voyez, ce qui est sympa aussi, alors je vais essayer de, voilà, de vraiment faire un focus, une mise au point, c'est que nous avons les petits vérins ici, vous voyez, qui fonctionnent vraiment. Voilà, en fonction de l'inclinaison du canon. Alors n'y allez pas comme une brutasse, hein, c'est vraiment extrêmement fin. Mais voilà, petit détail quand même, très très bien réalisé. Et ça, c'est à souligner. Voilà donc pour le premier backpack, on va le dire, le backpack standard. Nous avons ensuite, voilà, le second backpack offert avec, fourni avec. Voilà, et cette fois-ci, donc, nous sommes, voilà, dans un lance-roquettes. Imaginez là, voilà, toutes ces petites aspérités là, remplies de milliers de petites, voilà, de petites roquettes. Voilà. Avec voilà des articulations aussi, voilà. Rien de particulier. Alors ce qui est bien, c'est que le backpack est quand même différent de l'autre, hein. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. On retrouve à nouveau voilà quelques petits autocollants, un petit peu d'argenté que j'ai ajouté, les stickers, du panel lining, et voilà, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très propre, très réussi. Franchement, voilà, les accessoires sont vraiment de toute beauté. Un petit peu de patience sera néanmoins nécessaire hein, pour poser voilà, des stickers qui sont extrêmement minuscules, comme cela par exemple. Voilà, à savoir. Toujours au rang des accessoires, nous retrouvons donc, hop là, je ne sais pas, avec mes grosses mains pleines de doigts, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, j'essaye à nouveau de faire une petite mise au point, mais nous y retrouvons donc demain. Plate, voilà, ça c'est cool. Tous les AG ne l'ont pas forcément. Bon, là encore, un petit panel lining hein, pour bien faire ressortir bah, les phalanges, les doigts, voilà, les petits détails. Donc, c'est voilà ça qui nous sert à reprendre certaines poses du film. Nous avons ensuite, bon, là c'est déjà plus standard. Voilà, deux points cette fois-ci fermés. Alors, je n'ai pas fait de panel lining tout simplement parce que ceux-là, je ne vais vraiment pas les utiliser. Et pour finir, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et pour finir, donc, nous avons, voilà, une main. Voilà. Comme ce qui se présente comme ceci. Donc, comme si l'index, voilà, tenait la gâchette. Et donc, là, nous avons le blaster. Voilà. De notre gun canon. Sur lequel j'ai encore ajouté un petit peu d'argenté, les stickers bien entendu, du panel lining, voilà, histoire de bien faire ressortir tous les détails proprement. Et voilà, donc nous avons vraiment un jet qui est très complet en termes d'accessoires. Et attardons-nous enfin à présent donc sur notre petit gun cannon HG. Le voici, le voilà, de toute beauté. Comme je vous disais, vous voyez, les plastiques ont une nouvelle teinte. L'avantage, je dirais, c'est que pour le coup, alors j'aime bien de temps en temps faire de la peinture sur mes Gundam, les repeindre, parce que je trouve que le plastique de base n'est pas toujours, voilà, super bien teinté, on va dire. Mais là, le plastique injecté dans la masse, voilà, vous voyez, on a du vernis, on a du brillant. Je trouve personnellement que, voilà, l'ajout de peinture, ce serait vraiment dommage. Cette teinte-là lui va vraiment à merveille. C'est la teinte qu'il a dans le film animé, voilà. Donc pour le coup, ben voilà, mis à part les autocollants, le panel lining, je n'ai pas trouvé nécessaire de faire, donc voilà, de faire de la peinture. Les finitions premium de ce dernier suffisent amplement. Donc vous verrez, hein, donc hormis les stickers, j'ai bien entendu, voilà, surligné de panel lining. Voilà, toutes les petites pièces, les détails, voilà, pour bien faire ressortir chaque partie. Et franchement, ce personnage est terrible. Alors, on va faire tout de suite un petit, voilà, une petite mise au point sur le cucu, la tête-tête. Regardez-moi ça. On dirait un petit peu le visage des pattes labor. Voilà, le visage est vraiment réussi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas d'autocollant, vous voyez. On a donc d'un côté le casque et on a la visière qui est séparée. On a le petit menton séparé, on a la visière séparée. Donc voilà, malgré la petitesse du personnage, voilà, celui-ci est composé de plein d'autres petites pièces, comme celle-ci également, vous voyez, ici. Ou encore celle-ci. Souvent, les Gundam nous proposent
soit de les peindre nous-mêmes, ou nous propose un petit autocollant un petit peu dégueu. Et là, pour le coup, voilà, tout est vraiment peint à la perfection. Le moindre détail se voit, et le panel lining également donc permet de faire ressortir, vous voyez, voilà, de façon majestueuse, parce que je le trouve vraiment majestueux, ce petit père. Voilà, vraiment, vraiment, absolument superbe. Rien n'a été oublié. On peut même, voilà, vous voyez, ajouter encore des petits stickers dans le dos. Voilà, véritablement magnifique. Alors, en termes d'articulation, alors je vais essayer de réduire un petit peu la camirouche. Donc, nous pouvons lever, baisser la tête, également l'incliner, voilà, de droite à gauche, mais aussi de pivoter la tête. Alors cette fois-ci pas à 360 parce que nous serons gênés par les petites arêtes sur le côté. Enfin, vous voyez, on peut quand même donner des poses, notamment celle-ci, que je trouve vraiment badass. La pupe Dove, pas de souci, il la gère correctement. Nous avons également, grâce non seulement au ball joint, mais au joint papillon, la possibilité donc d'avancer, voilà, ou de reculer l'épaule, ce qui va donner donc des amplitudes de mouvement supplémentaires. Voilà, rotation donc intégrale du bras, mais également rotation, voilà, du bras à 360, une articulation du coude, hop là, à 90, c'est parfait, ça fait son taf. Donc les mains que nous pouvons, voilà, pivoter ou incliner. Nous avons une rotation également du bassin, voilà, vous voyez, malgré sa petite taille, voilà. Il gère parfaitement. Et petite chose aussi que j'adore, et ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas courant sur les Gundam HD, regardez bien, nous pouvons aussi, voilà, incliner, vous voyez, juste ici, là où je mets mon doigt, eh bien nous pouvons incliner vers l'avant, voilà, le Gundam, en plus de la rotation. Voilà, pour la taille, c'est vraiment un exploit. Je trouve ça super, surtout que voilà, le tout reste, voyez, reste solide. Globalement, c'est robuste, hein, voyez, je n'ai pas eu de pièces qui me sont restées dans les mains. Alors, on va tester le grand écart JCVD en levant donc voilà les petites jupettes latérales. Bon, là, on va être un peu plus restreint, voilà, en termes de grand écart JCVD, mais bon, malgré tout, voilà, on a quelque chose de réglo. Nous pouvons également, en levant les jupettes avant, voilà, hop, faire donc le grand écart latéral. Là encore, voilà, ça passe. Le ball joint de la cuisse donc permet également, voilà, de pouvoir l'orienter différemment. Nous avons également une rotation intégrale de la jambe. Ouh, ça commence à faire beaucoup, hein. Nous avons une articulation du genou. Regardez-moi ça, avec une amplitude absolument remarquable. Et nous avons cette pièce-là, vous voyez, qui accompagne vraiment, voilà, à la perfection le mouvement du genou. On a vraiment quelque chose de cohérent. J'aime beaucoup cette articulation-là. Voilà, ça évite d'avoir un vide. Voilà, on a vraiment, voilà, le mouvement du genou, tout simplement, de la rotule. Rotule que j'ai également donc ajouté du panel lining, hein. Voilà. Et puis donc, pour finir avec les articulations, nous pouvons donc incliner les pieds de l'intérieur vers l'extérieur et de haut en bas. Voilà. Bref, en termes d'articulation, vous en avez une tripotée et vraiment de quoi vous faire plaisir. Vous voyez, c'est robuste, ça ne bouge pas, ça ne s'est pas défait. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment juste topissime, avec le petit, voilà, le petit sticker juste ici sur la poitrine. Véritablement un coup de cœur pour moi. Et revoici notre gun canon, cette fois-ci donc avec, voilà, bah, ses canons, tout simplement, son backpack. Vous voyez, et regardez-moi ça en termes d'articulation. Rien que ça, voilà, c'est juste super plaisant. J'adore, je suis fan. Et on n'oublie pas, bien évidemment, donc, que nous pouvons lever et baisser, donc voilà, le canon. Voilà, nous avons donc cette position-là, voilà, qui rappelle un petit peu le film. Vous pouvez aussi donc lui donner, voilà, cette position vue également donc dans le film. Voilà, où notre gun canon donc se planque et se stabilise, voilà, pour envoyer le paquet. Et vous allez voir que pour changer le backpack, c'est tout simple. Vous avez juste, voilà,
tirer dessus vers l'arrière. On a ces deux petits ergots 2 mm qui viennent se fixer dedans. Voilà. Et du coup, nous allons pouvoir donc rajouter eh bien, le second backpack. Voilà. Hop. Cette fois-ci, avec voilà, les lance-roquettes. Tac. Tac. Et voilà. Vraiment magnifique. Et n'oublions pas non plus, voilà, son pampan, notre Gundam paré de son blaster. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'excellentissime RX-7702, notre fameux Gun Canon, dans sa version donc Cuckoo's Don Island. Voilà, que dire, vraiment du bonheur en barre, plaisant à monter, pas de peinture à faire, enfin à mon avis, à mon humble avis, bien entendu. Après, voilà, il y a toujours les pros de la peinture qui feront quelque chose par-dessus, mais là je trouve qu'on a vraiment quelque chose, voilà, de tout près. On monte, on met les autocollants, un petit panel lining, et puis, ben voilà, ça fait son effet, c'est vraiment superbe, la version et cette version premium. Et vraiment, je trouve de toute beauté, d'autant plus qu'au prix de 30 €, ça reste, je trouve, raisonnable. Au vu des nombres d'articulations, de la robustesse de notre robot, des accessoires fournis avec. Non, franchement, on en a vraiment pour notre argent. Voilà, l'idéal, hein, vraiment un petit personnage idéal pour, pourquoi pas, pour se lancer dans l'aventure. Il vous donnera entière satisfaction. Et vraiment plaisant jusqu'au bout. Voilà, du Gundam comme je les aime tout simplement. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. On se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sauf si, évidemment, je fais une revue fin de semaine. Je ne sais pas, je ne suis pas encore fixé. Donc voilà, on va dire qu'on se retrouve fin de semaine. Et on verra après si c'est pas fin de semaine, ce sera semaine prochaine. De toute façon, on se retrouve très vite. Je vous souhaite plein de courage pour la semaine. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Coucoulous, coucoulous. Tanche, tanche. Coucoulous, coucoulous. Stanch, stanch. I would have waited an eternity for this. It's over, Brown.